Alors, mes petites. Les enfants, il est l'heure d'aller traire les vaches. Oh, papa, je peux venir avec toi. D'accord. Bon, bah, c'est pas tout. Moi, il faut que j'aille préparer le ragoût de haricots blancs, sinon on sera en retard pour souper. D'accord? Allez, Ruth. Oui, trop. Papa! Ah, tu promets de faire mes sons? Hé, hey, n'oublie pas qu'après les vaches, on va encore couper quelques bûches pour les mettre dans la cheminée. D'accord. Je ne sais pas où j'ai la tête aujourd'hui. Maintenant, il fallait courir ce matin. J'ai complètement oublié d'acheter de la margarine. Faut que je redescende au village. Si tu passes par l'échoppe de Monsieur Collins, pense à lui ramener des tomates à l'Iradis du jardin. Je sais qu'il adore ça. Du bois. Moi, plus tard, je serai chef d'orchestre. Eh ben, moi, je serai PDGR. Au fait, Charles, sais-tu que la girafe de Mamadou Yakasumaki va accoucher? Non, tu dois confondre, chérie, nous ne sommes pas dans un épisode de Daktari. Excuse-moi, ça m'a échappé. Papa? Oui? Qu'est-ce que je ferai dans 20 ans? Dans 20 ans? Dans 20 ans, tu passeras pour la première fois sur M6. Et ce sera la 6e fois en 6 ans à la télévision. Et toi, tu seras toujours aussi beau? Oui. Et toi, maman, tu seras toujours aussi belle dans 20 ans? Et oui, ma chérie. Regardez, les téléspectateurs zappent. C'est chaque fois la même chose, ils se goinfrent péniblement 3 minutes de générique et après ils se cassent sur les autres chaînes. Oh, restez avec nous, on a l'air niais comme ça, mais je vous rappelle qu'il faut être drôlement intelligent pour jouer des rôles de cons. Oh, il va se passer plein de trucs, je vais couper du bois. Et moi, je vais vous montrer ma culotte et mon moment aussi. Et même ce qu'il y a dedans.